Il fallait qu'on aille voir la madame aussi. Je veux voir quelque chose juste au niveau des missions. Ah oui, c'est vrai que j'ai la récompense à aller chercher. Grand Mustéboué, alors ça je ne l'ai pas pour l'instant. Ah oui, j'ai ça à faire. Trio de Kenotor, parler à Vigie. On va faire ça aussi. On va faire les missions secondaires. On va valider cette quête, la quête principale. Et tiens, est-ce qu'il a pas, il veut pas évoluer celui-là, par hasard? Ah, il va évoluer son Pokémon, regarde. Tu peux bien attraper un Armulis, s'il te plaît. Ah bah j'ai déjà fait. Attends. Je regarde. Attends. J'ai déjà fait. Alors, l'Armulis, il est là. Hop là. Sélectionné. Non, je joue pas. Je joue pas en mode gyroscopique. Non, j'ai pas de tulgra pour mon doigt que je me suis brûlé. Non, malheureusement. Non, mais je vais laisser, hein, j'ai pas le choix. Je l'ai mis dans l'eau froide en attendant et. J'ai pas de biafine, rien du tout, donc tant pis. Tu vas pas un peu appartenir malgré la bêtise. Bon, trop mignon. Allez. Allez, on y va. Bon, je joue à une main, là. Je joue à une main le temps que ma brûlure s'estompe. Hello à ceux qui débarquent. Tiens, bah, il y a encore une mission là. Attends, il y en a une. Ok, on va aller voir ce qu'il y a comme mission secondaire. Qu'est-ce qu'on a? Des missions secondaires, oui. Un étrange Ponyta. Ah! Ça sent le Ponyta Shiny, ça. Oh, on va aller le faire. Oh, ça sent le Ponyta Shiny. Oh, ça sent le Ponyta Shiny, tout ça. Bon, alors, excusez-moi, je joue à une main deux petites secondes. Bah je joue à une main parce que j'ai mon doigt, je me suis brûlé en cuisinant. Donc du coup j'ai mon doigt qui est dans de l'eau froide. Donc là je joue à une main. C'est pas facile de jouer à une main. Pokémon que t'as marre plusieurs fois, tu en fais quoi? Tu peux les relâcher. On m'a déjà dit tout de tes exploits, tu as réussi à calmer le H-Cateur. Et ouais. Et ainsi, tu as un trajet, c'est rien de toi. Et si vous voulez mon avis sur le jeu, faites point d'exclamation avis. Il y a une vidéo qui est sortie. Sur mon avis sur les 8 premières heures. Ce sera plus simple que de le répéter toutes les 3 secondes. Alors. On passe son temps à bouffer, c'est incroyable. Incroyable. Je pense qu'il a surtout parfaitement préparé le combat et observé son adversaire. Oh, pff, oui, nous ne gérons pas quand même. Je te conseille d'essayer cette méthode que Lardy m'a donnée. Des bombes aveuglantes. Ah, cool! Ruta Bayaz et une feuille ronde. Ok. Oh, c'est qui ça? Je savais que tu viendrais, Edouard, je suis Pitrice. Il faut que je te parle de quelque chose de très important. D'accord. C'est mystérieux tout ça. Sache qu'un grand danger plane sur Issue. D'accord? Te connais les siècles, l'entité qui se met à la terre sur cette terre a été scellée par un grand pouvoir. Pour une raison encore inconnue, la magie qui la retenait prisonnière s'est dissipée. D'accord? Quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Tu dois m'aider à réparer le sceau. Ok. Je vais t'aider. Oui. Une clé de voûte. Ah bah tiens! On a l'habitude de ça. On a l'habitude des clés de voûte dans Pokémon, non? Une pierre mystérieuse qui permet de rassembler des flammes étranges de couleur violette. Ok.
Les flammes étranges ont été dispersées à travers l'issue quand le sceau a été brisé. D'accord. Il y a 107 en tout, et la clé de voûte que je te donnais te permettra de les rassembler. D'accord. 107, c'est beaucoup. Seule la personne en possession de cet objet peut voir les flammes. Ah, ça va être des trucs qui vont popper. Je sais pas, peut-être des. Attends, je sais pas. Il y en a dans les environs, donc tu pourrais commencer par là. C'est quoi? C'est des trucs à récupérer? Ah! Ça me fait penser au feu follet de Animal Crossing ou aux éclats dans Skyward Sword. Attends. Je suis un des rares positifs sur le jeu. Ah bon? Bah dis donc. Mais je veux bien toucher la flamme. Mais je peux pas traverser, moi. Faut que je passe par là. Félicitations, Angèle. Félicitations. Eh bah écoute, si les gens sont blasés, que veux-tu? Que veux-tu que je te dise? La clé de voûte a aspiré la flamme étrange. Ok, plus que 106 du coup. Je savais que j'avais bien fait de quérir ton aide. Tu recevras des récompenses pour tes efforts. Ok. Je t'attendrai ici, bon courage. Ah mais 107! Bon, du coup c'est que de nuit, évidemment. Va falloir fouiller partout en fait pour trouver ça. Le lendemain. Très bien. je suis très content des vêtements qu'on a achetés quand même pour notre personnage. J'aime beaucoup. Le salon de coiffure du groupe Galaxy est à couper le souffle. T'es celui qui a apaisé à Shekator, le roi de la forêt. Absolument. En effet. Cette dégaine. Tu as vu une vraie célébrité, puis ça. Même si les bravos face au serviteur du grand silo t'attirent la méfiance de certains. Je suis pas présenté. Je m'appelle Marcia. Eh ben salut Marcia. D'accord. Spécialité, c'est la coiffure. D'accord. D'accord. Alors, rassembler les femmes. Ah tiens, il y a encore une mission secondaire ici, cool. Ah mais il y a plein de missions secondaires, cool. Attends, on va aller les chercher. Salutations, dis-moi, est-ce que ça te plairait, propose plus d'objets? Bah évidemment. Je suis un peu plus d'accord. Mais vois-tu, Nectar refuse de me fournir en marchandise. Pour lui m'aider à le convaincre, rapporte-lui du riz zélé en lui disant que ça vient de ma part, ok. Trois épis, je pense comme ça quoi. Ok, moi je trouverai ça après. J'en trouverai. Moi je récupère toutes les missions et je récupère toutes les missions et on voit après. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Veux-tu tenter ta chance au visé de tir? Vous lancez des Pokéballs pour éclater des ballons. Ah, carrément! C'est cool, ça. Ça, j'aime bien. Marqué 10 000 points, tu recevras un prix très très spécial. Sur l'ère d'initiation. Ok, bah attends, je vais peut-être activer cette mission-là. On fera ça après. Je récupère tout. Ah, ça me botte bien, cette mission-là. Ça me botte pas mal. Un chercheur, je suis bien contente de te voir. Tu voudrais bien aller chercher des ressources pour moi, pour faire des remèdes. Plantes spécifiques, on la reconnaît, ces trois feuilles. Je l'ai pas déjà, ça. Renseignez-vous auprès de Tammy pour connaître les ressources nécessaires à la confection de remèdes. J'ai pas déjà fait ça? Le Ponyta étrange, on va le faire aussi, ouais. On va faire le Ponyta shiny juste après. Tiens, je peux passer là? Je passais pas, c'est pas ici. On va aller le chercher, le Ponyta shiny. On va y aller après. Alors attends. Je peux courir un peu peut-être. Alors. T'es nouveau du corps des chercheurs, absolument. Je voudrais agrandir nos parcelles mais la terre est trop dure. Du coup je cherche une bonne âme qui voudrait bien m'aider à labourer le terrain. Ok. T'as un Pokémon de type sol, tu peux me le prêter. J'ai un Pokémon de type... Ah j'ai mon Gravalanche. Ouais, j'ai mon Gravalanche, vas-y. Il est quoi, niveau 25 celui-là et celui-là 26. Bah vas-y tiens, prends mon Gravalanche. Vas-y. Vas-y, vas-y, prends. N'écoute pas, t'en veux du beau labourage. Bon du coup, ça veut dire qu'on pourra faire pousser plus de noix grumes. C'est pas mal. Hein. Ah effectivement, on a deux maintenant, ok. Cool. Grâce à lui, on aura de belles récoltes pour sûr. Est-ce que je peux choisir la récolte du deuxième terrain ou pas? Tu peux envoyer un autre Pokémon labourer à sa place, n'hésite pas à lui en toucher deux mots. Ok. Ok, ça c'est cool. Agrandissement des parcelles.
Est-ce que j'ai la possibilité de voir ce que je mets sur la deuxième parcelle ou c'est la même chose? Les cultures sont prêtes, cool! Les cales sont satisfaisantes comme l'avait espéré. Voilà pour toi. Combien? Ah, 33 noix d'agrumes, ok. 6 noix d'agrumes rongées. Tiens, plante médicinale, on va faire ça. On va faire ça pour voir un petit peu ce que ça peut donner en termes de plantes. Ok, alors. Toc toc toc, le souci de Marcia. Il faut que j'aille par là-bas. Ah, il y a encore une mission secondaire par là-bas aussi. Je l'ai vu sur la carte. On va y aller. Après, on ira à l'aire d'initiation pour faire l'éclat de ballon. Et on ira chercher le Ponyta Shiny aussi. Ça m'intéresse bien. Merci Anso pour ton resub. Les humains et les êtres humains. Ok, vas-y. Tu me rappelles un peu ma grand-mère. Sympa. Je suis sûr que tu as un don pour créer de véritables liens d'amitié avec les Pokémon. J'aimerais en avoir l'amitié, nanana. Pour te montrer un. Ah, mais il y a de l'amitié alors! Bah, je vais te montrer. Je vais te montrer Matloutre. Vas-y. Sélectionner. La quête du Ponyta Shiny, elle apparaît au bout d'un moment sur le tableau d'affichage. Dans le centre. Ok. Ma grand-mère était comme toi, tu sais. Elle était aussi capable de comprendre ses Pokémon sans même échanger des paroles. Très bien. Alors. Ok. N'hésite pas à me montrer d'autres Pokémon si vous êtes et je te dirai s'ils t'aiment. Ah, super bonbon cola. Alors, on avait dit que. Ah, y'a un gars ici, là, juste là. On va aller voir. Et on repartira un peu. Faudrait qu'on farme un peu l'XP aussi. Alors. J'ai encore l'esprit des vêtements que tu portais. Oui, c'était dégueulasse. Cette vision fut un véritable choc pour moi, pour nous aussi. Sa parence est futuriste et avant-gardiste. Grand passionné de mode, n'est-ce pas? Oui, ça va, t'inquiète. Oui, tout à fait. Oui, il faut avancer pour la quête un peu de Ponyta. J'aimerais qu'une personne de goût comme toi m'assiste dans l'étude de la mode. Ok. On peut dire que l'aspect des hippopotasses mâles du marais carmin était différent. Ah bah tiens, on n'a pas encore capturé l'hippopotasse. Ok. Bon, faudrait que j'aille voir ça. Du coup, attendez. Mission. Secondaire. Je vais éternuer. Ça c'est fait. Étrange apparition nocturne. Nouveaux articles. Aspiration, devenez une légende du visé-tir. Ah, ça nous donne une pépite. Cool. Et des super balls. Nickel. Bah, tant qu'on y est d'ailleurs, on va se taper direct. Vas-y. Vas-y. Alors. Voyons voir. Viens mettre ton adresse à l'épreuve et tente de devenir un expert du visé-tir. Éclate autant de cibles possible, chaque lancé pour maximum de points. Très bien. Ah, on a un prix très spécial, bah, c'est la pépite du coup. C'est la pépite de toute façon si on arrive à faire les 10 000 points. Ok. Ah oui d'accord, oui là, effectivement. Merci pour tes souhaits. Il avait dit quoi, 10 000? Après, faut faire des combos apparemment. Ah, c'est ça. En fait, tu fais des combos. Ah oui, effectivement, il est. Oh, je suis à 13 000, c'est bon, on a gagné. Tranquille hein. Tranquille hein.
Il avait pas dit 30 000, il avait dit 10 000, hein. Ouais, on sait jamais. Bon, 30 000, normalement, on est bon, là. Oui, des prix fantastiques en fonction du score de nuit. 5 mass balls. T'as plus 10 000 points, bravo. Ouais, ta récompense, ok. Ah, une pépite, super ball et des mass balls. Cool. Ah, et bah attends, pour dépasser mon score là, je pourrais rien faire. J'aurais dû faire moins. Hein. Attends, on peut sortir du village par là ou pas? Ou c'est juste. Ah, mais oui, c'est par là où on est arrivé. Ok, ça c'est là où on est arrivé l'autre fois. La plage premier pas, elle s'appelle. Toujours des noms comme ça liés au truc. Tiens, bonjour. Ouais. Alors, attendez. On va aller faire quand même la mission sur le petit Ponita. Il est où? Étrange Ponita. Ok. Alors, voyons voir. Alors, voyons voir. Tu es là aussi, être Ponita, absolument. La Ponita, comme personne n'a été vue dans le coin, est apparu au Valferrage. Il ressemble à aucun autre Ponita et pour être honnête, il me fait penser un peu peur. Enfin, il me fait peur. Là, il m'a dit qu'il avait très envie de faire des recherches sur lui, donc promis que je l'observerai de plus près. Bah carrément, vas-y. Alors attends, c'est où le Valferrage? Je suppose que c'est par là. On va aller voir. Alors attends. Ouais, c'est là-dedans. Alors on va se mettre au premier bivouac et on va checker un petit peu aux alentours. Alors. Ah bah c'est juste là. Ok. Bon bah go. Vas-y. Vas-y, go le chercher. Coupe de toi, je l'ai pris. Yes. Fais-toi kiffer. Fais-toi kiffer. Attends, les bougies pas j'arrive, j'ai... Je vais mettre un petit pansement sur le doigt parce que... Parce que je me suis fait mal. Ah, attends. Ok. On en était où avec eux? Ah bah j'avais terminé. Sauvegarde avant au cas où. Oui, pff, oh. On va faire attention. On va juste faire attention. On va faire attention, c'est pas grave. Allez. Ah, effectivement, Ponita Shiny, ouais. Oh, il est beau, quand même. Oh, il est beau, hein. Alors, par contre... Avec ses. Ouais, je vais sauvegarder quand même, t'as raison. T'as raison. On sait jamais. Attends. Allez, vas-y, j'essaye de le prendre. Ah, j'ai lancé une baie. J'ai pas lancé la Pokéball là.
Il va s'enfuir. Tu vois qu'il va s'enfuir. Je vais la rater comme ça. Là, normalement, je l'ai là. Ah! Ça marche pas. Ah, il veut pas. Hein. Il s'est enfui pour de vrai? Je crois qu'il s'est enfui. Attends, il s'est enfui ou pas? Je crois qu'il s'est enfui. Bah non, parce que c'est pas possible pour la mission. Attends, je vais checker un truc. Attraper l'étrange Ponyta qui se trouve. Bah non, je suis obligé. Il va forcément réapparaître. Il va forcément réapparaître, sinon ça marche pas. Je sais pas. Bon, on a sauvegardé avant, au pire. On a sauvegardé avant, vas-y. Ah tiens, d'ailleurs, comment ça se passe quand on sauvegarde? Est-ce que... oui, il va finir par revenir. Ouais, non, mais je me doute bien qu'il serait, revenu. Comment ça se passe? Est-ce qu'on reprend à l'endroit où on a sauvegardé ou est-ce qu'on reprend au campement? On va voir. On va voir. On va voir ça. Ça va être intéressant de savoir. Est-ce que c'est à l'endroit où on l'a sauvegardé ou pas? Pour bah les autres Pokémon, oui. Mais celui-là, je sais pas. Ouais, effectivement. On reprend juste là. Bon. À mon avis, il faut que je l'attaque, ça passera pas avec la Pokéball. Hein. Je le tente, mais j'y crois moyen. Je le retente. Ah, ça passe, hein. Ah, si. Ah, si, si, ouais, effectivement. Effectivement, bah, super. Bon, bah, voilà, on a un Ponyta Shiny. Yes. Eh bah, écoutez. Bonne nouvelle. On en était où par rapport au connoteur? Eh, j'avais pas vu qu'il y avait des petits effets de pluie sur les vêtements. C'est cool. Il y a les petits effets de pluie. Cool. Bah c'est un petit détail, mais c'est sympa quand même. Toujours preneur des petits détails. Ok. Il y a une animation de pluie quand je bouge pas mon perso. Ah ouais, ça? Genre quoi? Ouais, à part l'animation sur le sol qui est dégueulasse. Enfin, je vais mettre là. Genre quoi? Wow, 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 wow! Mais calme-toi! Il est où celui-là? Mais t'es niveau 3 en plus! Qu'est-ce que tu nous emmerdes? Allez! Ah non, mais c'est abus! L'animation de pluie quand on bouge pas? Genre quoi? Ah ouais? Ah, c'est sympa! Bon, il a froid quoi. Ok, ok. Oui, on a passé le boss de forêt. Hop là! Ok. Allez. Petit Ponyta Shiny, je prends. Ah, 710 Pokédollars pour ça, en plus. Hein. C'est fascinant. Bah, ah oui, d'accord. Ah, bah, on va passer au... Oui, c'est vrai qu'il faut, que j'en aille pour le rang supérieur, c'est vrai. Bah oui, très heureux de mon starter, ma foi. Très heureux, même. On attendra de voir l'évolution finale. Ça doit être au niveau 34 ou 36, un truc comme ça, je pense. Alors, vas-y, go. Effectivement, on la voit pas, mais il y a une jauge d'endurance, hein, parce qu'on s'essouffle quand on court. Ouais, il va y avoir une jauge... Ah! Eh, ça pousse vachement vite! C'est cool!
Absolument. Je connais quelqu'un de Galar qui est très honnête en voyant les Ponyta du coin. Regardez leur crinière enflammée des yeux comme des soucoupes. Ok, on est pas quand même semblable chromatique. Là j'en ai déjà un. On a déjà notre insécateur chromatique. Votre sacoche est pleine. Ah oui, ok. Et ouais, on a déjà ça. Attends, du coup ça pousse aussi vite? Ah, les cultures ne sont pas encore prêtes. C'est trop stylé en fait, c'est trop joli. Bon du coup j'ai hâte de savoir ce qui va se construire. Ah bah ça y est, c'est construit. Attends. Mais oui, c'est ce truc là qui est en construction. C'est quoi? C'est le magasin de légumes? Eh oui, ce magasin est en construction tout à l'heure, le village évolue au fur et à mesure, c'est cool. Attends, on va aller voir. C'est trop chouette, ça. Tu vois? Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ok. Ah, mais c'est trop bien que la ville évolue. C'est chouette. Ok. On va aller parler là-bas, tant qu'à faire. Alors. Pas mal, pas mal, par le découvert qu'on te fournit. Je vais regarder ton Pokédex et vérifier son contenu. Ok, allez. Niveau supérieur, c'est quoi, 4 étoiles maintenant? Allez hop, 4 étoiles. Et ouais. Vraiment des méga masse balls. Que niveau 50, excellent. Ok. Une noix grume, fragment de fer, un galet noir. Ah, des hyper potions, cool. Ok, très bien. Bon. Alors, attends. Ah, c'est là-haut. T'as vu, il est sympa ce petit look, hein. Ouais, c'est le chapeau qui fait tout, hein, c'est le chapeau. Hein. C'est vraiment le chapeau. Clairement. Je vois Ursa King. Mais alors, les Pokémon de Monarque ne sont pas les seuls à pouvoir devenir enragés. Adamantin et Nakara ne m'ont rien dit à ce sujet. Ils ne pourront pas rester. Quoi qu'il en soit, je te remercie de m'avoir informé de ces événements. Notre chef a l'air trop occupé pour s'en charger et la gardienne d'Ursa King ne veut pas m'écouter. Au final, je peux compter que sur vous. Celle-là, c'est une traite tête de pioche. Mais non, on dirait le chapeau de... C'est quoi, Nenupio? C'est comme ça, je crois qu'il s'appelle, hein. Nenupio. Ok, faut que j'aille au marais. Bah, de toute façon, j'avais des hippopotas à capturer là-bas, donc ça m'arrange. Ça m'arrange. Prochaine mission est au marais Carmin. Ah, c'est une autre zone. Cool. Cool. Ok, c'est ça. Aux ruines bonus situées au marais Carmin. Donc c'est une autre zone qu'on va découvrir. Merci Coco pour ton resub. Merci, c'est gentil. Tiens, ils étaient pas là eux la dernière fois. Acheter des objets rares. Je veux un lot de Mass Ball à seulement 2000. Vas-y. Vas-y. 30 Mass Ball. Ok. Et tu vends quoi toi? Ah ouais, ok. Ah. Ok. Okay. Ah donc il y a des magasins itinérants aussi maintenant. Très bien. Bon, pourquoi pas.
Allez, vas-y, viens là. Niveau 32, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux faire en face? Ah, oui, c'est un Pikachu, c'est vrai. On a 10 niveaux de plus, s'il te plaît. Ah oui, d'accord, vas-y, t'enchaînes tout, bien sûr. Bah bien, allons-y. Bon, est-ce que la méthode fonctionne toujours? Nope, pas dans ce sens-là. Attends. Eh bien, pourquoi lui, il enchaîne tout ça? C'est dégueulasse. Allez, hop là. Allez hop, ça c'est fait. C'était rapide, hein. Alors par contre, je changerais bien mon Ponyta pour mon Ponyta... pour mon Ponyta Shiny, en fait. Avec plaisir, le bap. J'ai fait une vidéo exprès, justement. Attends, par contre, je vais changer mon Ponyta. Je vais changer mon Ponyta. À tout de suite, yes. Ah, j'ai vraiment fait la vidéo pour répondre à ça, parce que depuis tout à l'heure, on me pose la même question. Et donc, du coup, bah, c'était compliqué sur les streams. C'est plus simple. C'était plus simple. À quel niveau il va évoluer mon Gravalanche, du coup? Je sais plus, hein. Parce que normalement, Gravalanche, il évolue quand on l'échange. Mais là, comment ça va se passer? Allez, tiens, bah, nouvelle zone. Oui, mais normalement, il évolue par échange, mais là, tu vois, tu devrais mettre la commande dans ton titre. Ben, elle y est. Elle y est. Il y a point d'exclamation Pokémon, point d'exclamation avis. Attends, je vais la mettre, sinon je le mets avant. Je le mets avant, je vais mettre point d'exclamation avis, point d'exclamation Pokémon. Attends. Je l'échange, sinon. Ouais, je l'échange, bah je l'ai changé. Voilà, je l'ai changé. Je l'ai changé. Voici le marais Karma. Ok. Ah, tu veux dire que tu avais... Non, c'est ça, ouais. Ta-na-na. Ah oui, ça change de zone, effectivement. Ah, cool, il va y avoir des... Il y a des petites herbes jaunes. Des herbes hautes. On ne sait pas... Ah oui, d'accord. Ok. Ça s'affichait sur ta carte. Ok. Distorsion spatio-temporelle. Ça fait penser au raid dans Épée et Bouclier. Il faut acheter le pseudo câble Link avec les points de bonne conduite. Excellent, j'irai voir. Sont des endroits dangereux où apparaissent de puissants Pokémon. Si vous avez malgré tout le courage de vous y rendre, vous aurez peut-être la chance d'y trouver des Pokémon et des objets particulièrement rares. Excellent. Au dojo Bedilla afin d'apprendre de puissantes capacités. Ok, c'est trop chouette. Ah bah tiens, il y a une mission là. Alors. Je pourrais m'en dire plus sur ce Roselia. Bon, ça veut dire qu'on va aller le chercher, t'inquiète. Yes. Alors. Alors, du coup, là, ça va être nouvelle zone, nouveau Pokémon. Hein. Évidemment. Que des nouveaux. Paf. Allez, ça c'est pour papa. Il s'est échappé. Il s'est échappé, sans déconner. Oh la vache. Rentre là-dedans. Ah bah tiens, très bien. Il me le fallait, ça. Ah, c'est là qu'on le chope, le Rizelé. Ah, j'ai pas de place dans ma sacoche. Ah bon, arrête de courir. Viens-y. Zut, j'ai plus de place dans ma sacoche. J'aurais dû vendre des trucs. Voilà, merci. Attends. Spécimen attrapé, yes. Attends. Mon coffre, il est là ou pas? Je crois que mon coffre doit être là. Hein. Ouais, super.
J'ai trop de choses. Enfin, augmente beaucoup la puissance d'un Pokémon. Disparaît si le Pokémon est retiré. Allez, tout déplace. Ah, mais j'ai un bonbon d'expérience aussi. Merci, Rumog. Merci beaucoup. Ah, mais je suis blindé de trucs. Ah, effectivement. Ah, bah, j'ai la pépite qu'on va pouvoir revendre. C'est cool. Ok, ok. Vas-y, je vais jeter. Enfin, jeter. Ah, super bonbon. Ah, il ressemble à ça, les super bonbons? Ah ouais. Ok. Super potion. Bon, je peux virer les potions, non? Attends, j'en ai plus de potions sur moi. Tout déplacer. Noix agrume rongée. Bon, je pourrais utiliser mes super bonbons en vrai. Hein. Attends, déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le bouton de ça ici. Voilà. Vas-y, go utiliser mes super bonbons pour voir. Ça fait quoi? Est-ce que ça donne un effet particulier ou juste... J'aurais bien aimé qu'il y ait une animation. Ça aurait été stylé. Ça aurait été trop cool d'avoir une petite animation là-dessus. À quoi ça sert de remplir complètement une fiche Pokémon? À avancer dans le jeu. Aussi simple que cela. Tu remplis la tâche Pokémon et en fait tu t'avances dans tes missions. Ce qui permet... Oh. Ce qui permet d'avancer dans le jeu. Oh là là. Oui, c'est un Psycho-Quack dans l'eau. De ce que j'ai vu. Ah, punaise. T'as utilisé mes Super Balls aussi. Allez, ça c'est fait. Ceci vient de grande taille. Ok, cool. Mais je cherche un... Tiens, regarde, c'est lui, là. Hop. Enfin, il m'en fallait 3 du riz. Hop là, ça c'est fait. 6 sur 6 pour lui. Elle est sympa, cette zone, aussi. On a eu Ponyta Shiny, ouais. Ah, mais bien sûr, il bouge. Ah non, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. Allez, viens, papa. Ok, 7 sur 12. Ponyta niveau 16. Vite. Ouh, il a pas l'air content. Attends. Pikachu! Alors, Soccer Crowd. Tonnerre, vas-y, tonnerre. Juste pour le kiff. Hop là. Ça c'est fait. Ok, feuille ronde. Ah bah attends, je l'avais pas vu. Hop là. Normalement ça devrait être bon, non? Parfait. Ok, rose bouton, c'est fait. Eh, j'adore ces herbes. Par contre, c'est chatoyant. Hein. Pas de soucis. Hein. C'est quoi là-bas? C'est un paras? J'ai l'impression. Attends. Ah, c'est des paras. Okay. Ah, je l'ai pas eu du coup. Okay. Ok, il m'en faut encore un. Attends, je récupère ça. Hop. Ah, ça passe. Viens ici. Ouh, pas une espèce. Eh bah forcément. Bon, tu sais quoi, vas-y. Il m'a saoulé. Allez, météore. J'adore cette attaque en plus, elle est tellement belle. Oh là, ah bah tiens. Oh non, pas pour ça, j'aime pas ce truc là.
Allez, vas-y. Ça va faire. Hop là. Ça, c'est fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Champi tout mou. Ok. Ah, il y a des ruines par là? Oui, alors je peux pas nager pour l'instant, donc c'est pas la peine. Alors, ça, c'est quoi ça? Merci, feuille ronde. J'ai entendu un Pokémon quelque part. Ah ouais, le parasecte tout à l'heure, il était monstrueux. Il était monstrueux. Allez, vas-y, tourne-toi. Ah, s'il se tourne, on est bon. Oui. Bam. Ok, ça c'est cool. Ah, punaise. Vas-y, rentre là-dedans. Le petit cocoac là-bas. Allez, ça c'est fait. 2 sur 3 pour celui-là. Ok. Salut à ceux qui débarquent, bienvenue. Ah, il s'est tourné au moment de du truc. Ok, ça c'est fait. On est à 8 sur 12 pour lui. C'est quoi ça? Ah. On l'a déjà. Ah, mais on l'a déjà, mais on l'avait pas capturé. Ah si, on l'a capturé en mode... en Pokémon Baron, lui. Salut à ceux qui débarquent. Si, si, on l'avait capturé en Baron. Ouais. Ça s'est attrapé sans qu'il vous repère, cool. Ok. Ouais, il y a un peu plus désertique cette zone, quand même. Les hippopotas doivent être beaucoup plus loin, à mon avis, dans la zone. Les niveaux montent assez vite, ouais. Ah, Shiny. Oh, attends, c'est un Shiny. Attends. Il est pas de la même couleur, hein. Non, non, c'est... Il est pas de la même couleur, mais non, peut-être pas. Ah non, mais je me suis dit, il est d'une couleur différente, mais non, non, non. Ouais, avec plaisir, le papa. Non, non, je me suis dit, ça y est, ça va s'en aller un autre. Ben, j'aurais dit, mais... Pas du tout. C'est juste une autre forme. Ok. Je me disais aussi ça ferait trop. Ça ferait trop haut, tiens. On en était où? Ah, ça y est, il voit des shiny partout, c'est ça. Ah, c'est pas de ma faute si on a eu de la chance avec un sécateur, hein. Alors, bon. On a eu de la chance, on a eu de la chance, voilà. C'est tout. Excusez-moi. Excusez-moi d'avoir eu de la chance. Pardon. c'est quoi le taux de drop des shiny sur, sur celui-là? Quelqu'un le sait ou pas? Ça n'a pas été communiqué? Ou quelqu'un n'a pas déjà fait un peu? Ah, je veux bien les taux, ça coûte, ouais, si tu les as. Je dis pas non. Parce que on a eu quand même beaucoup de chance, du coup, avec, avec un sécateur, hein, du coup. Parce que le trouver au bout de 8 heures de jeu... Ah, il y a les petites flammes violettes à trouver, cool. Mais oui, j'avais zappé. Attends, examine. Trop chouette. Du coup, il y en a 100. On en a 116 à trouver maintenant, pour l'instant.
là. Bon, ça fera 115 après celle-ci. Attends, comment j'y vais? Comment j'y vais? Ah, ce sera avec le Pokémon avec de l'eau, je peux pas. Oh, je peux pas. Je peux pas. Attends, il y en a encore un dans la tasse. Sur Twitter. Ah merde. Ouais. Oh putain, j'ai des mails, j'ai des messages sur Twitter, il faut que je regarde. Oula, je comprends rien du tout ce tableau. Attends. C'est quoi ce tableau encore? Ah, Pikachu et KO, très bien. Qu'est-ce que c'est que ce tableau encore? 1 sur 4096, ok. Ok, parce que j'aime voir. Ok. Oh, il est tellement beau en bleu comme ça. Oh, c'est dommage, ça fait pas des flammes bleues pour la roue. Ah, oh, c'est dommage. Ah, oh, c'est dommage ça. J'aurais bien aimé. Ça aurait été super cool. En fait, on a eu beaucoup de chance, ouais, pour. Ah, tiens, là-bas, c'est quoi ça? C'est un photominus? Oh, ils sont trop chouettes, les Fantominus, comme ça. Trop cool. Oh, ils sont trop jolis. Merde. Trop stylé. La musique a complètement changé. Ah mais les Fantominus en plus c'est par le Spectrum et l'Ectoplasma. Oh, et avoir Ectoplasma ça va être une dinguerie. Merde, désolé. Pardon, excusez-moi. Ah mais je les vénère aussi. Les taux ont pas changé, ouais. Mais on rencontre tellement de Pokémon qu'on... ouais, forcément. Ah mais attends, je vais le tuer là. Je vais le tuer en un coup. Ah là, c'était évident. C'était évident, merci les Kiki. C'était évident. Attends, qui est-ce qui m'a vu là? Attends, y'a quelqu'un qui m'a vu? Qui m'a vu? Ah, j'aurais bien aimé le choper le Fantominus. Ah, forcément, avec Pikachu devant au niveau 32, c'est un peu tendax. Hein. Voilà, c'est ça. C'est un cadeau. Boum. Bon, en plus, il devrait évoluer assez vite après, Fantomie. Avec des roues de feu. Ah, le but pas. Apparemment, ça devrait pas le tuer. Putain, mais c'est une blague. Merde. Mais je veux pas le tuer. Ouais, sympa cette musique. Ah, elles sont super cool les musiques. J'en ai entendu un autre. Ok, attends, j'en ai entendu un, Fantominus. Je suis sûr d'en avoir entendu un. Je suis sûr. Attends, il est où? Merci Freeman pour ton deuxième mois de sabbat. Il est où? Ah, on l'a tous entendu, hein. Ah oui, non, il est quelque part par là. Hein. Je sais pas où, mais je sais qu'il y en a un par là. Attends, y a des mecs là. Non, non, je le veux, il faut le capturer. Merde. C'était pas vraiment ce que je voulais faire. Attends, vas-y, j'en balance deux. Une. Et deux. Boum. Ah.
Ah bah j'en ai eu qu'un seul. J'en ai eu un seul sur les deux. Je sais pas du tout combien il y en a de Pokémon dans celui-ci. Je ne sais pas du tout. Oh bon, je le capture quand même. Alors attends. Wow. Ouais, je suis sûr que ça passe. Merci Saku pour la liste. Ok, super. Spécimen de grande taille, c'est fait. Attends, il y a forcément des Fantominus. Où est-ce qu'ils sont? Ah là, ok, super, j'en ai un, super. Bon, voilà, il m'en faut qu'un seul, hein. Enfin, de base. Ok. Attends, d'ici, je pense que je peux l'avoir. Là, boum. Ah! Trop loin. Pas trop. Ah punaise, je l'ai encore vénère. Attends. Ah bah il m'a vu. J'ai qui à proposer? J'ai qui? Ah mais... Ouais mais ça va être compliqué. Hein. Ah ça va être compliqué. Ah si, peut-être qu'avec... Ah oui mais alors attends, deux secondes. Voilà, déjà on va faire ça. Voilà, merci. Si avec Flamèche. Ah mais vas-y, mais non, mais il me balance deux trucs aussi. Abusé. Flamèche, vas-y. Normalement ça le bute pas. On est bon. Allez, c'est bon. Ah, je suis sûr que ça passe. Vas-y. Allez. Allez, ça c'est fait. Paf. Merci Fantominus. Tu rejoins la famille. Par contre, il va falloir que je me recrafte des Pokéballs, j'en ai presque plus. Ok. Attends, on va crafter quelques Pokéballs du coup. Ah, je peux me faire des Super Balls aussi. Hein. Bah, je vais en faire 6 déjà, au cas où. Et là, je peux me faire 110 Pokéballs. Ah, vas-y, c'est bon. Vas-y, 110 Pokéballs, ça me va très bien, j'en ai 122 comme ça. Voilà, il y a 2 secondes, on en manquait. Maintenant, on en a trop. Allez, notre petit Ponyta Shiny. Oula. C'était pas un Shiny le dernier, je l'ai vu noir et jaune. De quoi, le Fantominus? Non, je pense pas. J'ai pas eu l'impression, en tout cas. Quelqu'un a eu l'impression que c'était un Shiny? Alors, pas en voir partout non plus. Moi, je veux bien, mais bon, il faut pas qu'on en voit partout non plus. Hein. Non, non, on est d'accord, il a pas eu les étoiles. Hein. On aurait vu les étoiles. Hein. Ah, attends, il est niveau combien, ce petit papa, là? Ce bébé, il est combien? Vas-y, fais voir. 45. Bah, ça se tente, allez, ça se tente. Ça se tente. On ne met pas de notes au jeu, ici. Parce que ça sert à rien et que ça sert à rien. Ah! En fait, non! En fait, ça se tente pas! En fait. Alors, comment dire? Oh merde! Ça va être compliqué. Ah, évidemment. Ah, bah super, allons-y. On se prend un ultra laser.
Oh la vache! Oh la vache! Ah ouais, le ultra laser. On peut les... Tu veux qu'on essaye avec une Super Bowl, tu penses? Vas-y, on le tente. Ah mais là, en plein combat, je l'aurais pas. Hein. Je peux le tenter, hein, mais. Vas-y. Ouais. Ouais, mid-life, ça sera mieux. Hein. Laisse tomber, mes Pokémon sont pas suffisamment puissants les autres. Et en plus il évite les attaques. Bon, alors, on va partir, on va y aller, hein, voilà, on va y aller, oui, je te laisse, voilà, viens là, c'est pas contre toi, hein, mais, voilà, hein, ça t'embêtera pas, je m'en vais, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, attends, par contre, du coup, on va vite retourner là. Ah ouais, c'est chaud. Ah bah d'ailleurs, on arrive à la fin de l'épisode, donc on va se reposer et on va passer à l'épisode suivant. Un petit moment. Allez, on se repose et on passe à l'épisode suivant.